Auditrices et auditeurs de la radio Gandalf, bonsoir. Nous souhaitons la bienvenue à l'émission de la Commission centrale de Port-Talfi, Bantal Fouta-Jallon, sur l'histoire de la Guinée. Et je voudrais encore également rendre un hommage mérité à Ella Sankarela et à tout le personnel de la radio pour permettre l'émission et la diffusion de nos séances, de nos données et de données et recevoir sur l'histoire de notre pays. Vous savez que l'histoire récente de notre pays a été marquée par l'avènement au pouvoir d'un clan de criminels. Ce clan est composé principalement de deux familles, la famille Touré et la famille Keïta. Ce sont ces deux familles qui se sont donner la main pour mettre sur pied ce qu'on a appelé le mécanisme de la terreur. Et c'est à travers ça qu'ils ont fait rédiger l'histoire telle qu'elle est enseignée aujourd'hui dans nos écoles. C'est une histoire qui a été rédigée sous l'effet de la torture dans les camps de concentration. Et aujourd'hui, c'est un devoir pour nous de rectifier le tir par expliquer ce mécanisme de la terreur, dissiper la propagande du PDG qui a conditionné les esprits de plusieurs jeunes par une fausse narration, et expliquer surtout aussi les circonstances dans lesquelles le pays a accédé à l'indépendance, et aussi et surtout les raisons de la régression de notre pays. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage, pas de moindre, dans cette machine. Il s'agit de celui qui a été pendant longtemps le ministre de l'Éducation nationale sous le PDG. C'est Mamadi Keïta. Nous avions fait une émission en poulard. Donc aujourd'hui, nous allons faire la même émission en français. Et je rappelle que nous sommes mercredi 22h30. Généralement, vous savez, toutes les deux semaines, les mercredis à partir de 22h30, nous nous rencontrons pour des séances de données et de recevoir sur l'histoire de notre pays. Donc, comme on le fait souvent, aujourd'hui aussi l'émission est préparée et c'est encore par M. Bassir Ba qui va l'exposer. Après lui, la parole sera donnée au panel de la Commission centrale de Port-Talfi, Bantal Fouta-Jallon, au panel de la grande radio Gandal pour enfin avoir maintenant les discussions par le public. Tous ceux qui veulent intervenir, nous rappelons qu'ils pourront intervenir dans la langue de choix. Aujourd'hui, l'émission en français, donc on va traduire si c'est des contributions ou bien c'est des choses, ou bien si c'est des questions, les réponses seront apportées. Donc sans tarder, M. Ba, si vous entendez, nous passons l'antenne. Bien, merci Monsieur Barry et je me joins à vous pour saluer tous nos auditeurs et remercier encore, comme vous l'avez fait, le staff de la radio Fréquence Gandal pour l'effort et le soutien qu'il apporte à l'éclairage que nous cherchons à faire de notre histoire. Effectivement, comme vous l'avez mentionné, aujourd'hui on va parler d'un personnage clé du régime destructeur du PDG. Certains peuvent se dire, lorsqu'on est occupé à gérer des troisièmes mandats, des coups d'État constitutionnels, des tueries, pourquoi on retourne si loin pour parler d'un personnage obscur dont certains croient qu'il ne fut qu'un pion de Sékou Touré. Mais le constat malheureux qu'on peut faire sur la Guinée, c'est que ce n'est pas un État, ce n'est pas une nation. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a aucune institution
digne même d'un pays traditionnel. Donc c'est un pays, c'est une tabula rasa sur laquelle une clique dont on va parler, dont Mamadou Keïta fut une pièce maîtresse, cette clique a effectué une table rase sur un pays qui avait des institutions qui fonctionnaient avec des règles de justice bien avant la colonisation. Et cette culture que le PDG a instaurée dans notre pays se poursuit aujourd'hui. Nous vivons les effets de cette culture. Nous vivons les effets de cette destruction. Alors, si on veut réellement déraciner le mal guinéen, il faut qu'on comprenne où se trouvent les racines. Et c'est ces racines qu'on cherche à exposer. Parce qu'il ne suffit pas de s'opposer à un troisième mandat pour dire que la Guinée va changer. C'est une étape, mais une petite étape dans la destruction du mal qui a été semé dans notre pays et dont les agents restent encore méconnus, surtout par la nouvelle génération, et même pour nous qui avons été témoins de leur existence. C'est un effort de recherche et d'apprentissage que nous faisons. Ce que nous récoltons, nous venons le partager avec vous. Et donc, le régime du PDG et la gangrène qu'il a semée dans notre pays est tellement profonde que le pays reste démuni de toutes les institutions dignes pour constituer un État, un royaume même traditionnel. C'est ce qui fait, on voit, c'est ce qui explique l'alignement de bandits et d'hommes sans origine, d'hommes sans morale, sans référence et sans aucune graine de dignité à la tête de notre pays. Si nous n'allons pas à la racine de ce mal, dont le PDG fut l'auteur, nous ne comprendrons pas, nous allons dire que nous sommes des maudits, alors que nous ne sommes pas. Donc il faut que nous essayions d'extirper ce mal, de le comprendre, pour pouvoir mieux le combattre. Et pour résumer rapidement ce que fut le PDG, dont Mamadou Keïta fut l'un des acteurs privilégiés, eh bien, le PDG, au début, le PDG est né dans les circonstances de ce qu'on a appelé l'éveil politique africain de l'après-indépendance. On a rappelé ça ici. Je fais mention rapidement. Pendant cette période, les Africains ont voulu se libérer et les Européens étaient d'accord pour mettre en place une évolution graduelle pour remettre aux Africains la responsabilité de leurs affaires, surtout qu'ils n'avaient pas les moyens de le gérer. C'est pendant cette période qui va de l'après-guerre de 1945 dans les années 60, cette période de 12 à 15 ans, que des partis politiques ont émergé, que la compétition a commencé. Mais en Guinée, elle prit une tournure tout à fait désolante et tragique. Le PDG, avec l'aide de Cornu Gentil mit le PDG dans les mains de Sékou Touré, qui était son homme. Et Sékou Touré commença à se livrer à une violence et à vider le PDG, qui était membre, qui n'était qu'une section du RDA, de son contenu, en faire un outil d'usurpation de pouvoir. Il l'a organisé comme une mafia. Et il alla graduellement, de telle sorte que beaucoup de cadres guinéens se prirent dans ses griffes, croyant qu'il était en train de bâtir une nation, alors que lui était en train de bâtir une mafia pour pouvoir prendre la Guinée sous coupe réglée. Et il réussira, parce qu'il les écartera un à un. Il utilisera toutes les armes de division, de corruption que l'on connaît pour parvenir à ses fins. Donc il vida le PDG de son parti, ne resta qu'un cancan, et il renomma même le RDA, il renomma au lieu de Rassemblement démocratique africain, il renomma Révolution démocratique africaine. Et il créa, il transforma le PDG en parti-État qui n'était qu'une mafia familiale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Pour arrêter de croire qu'en Guinée, il y a des problèmes ethniques, il y a de la corruption innée, il faut comprendre que c'est une mafia qui a dirigé, la mafia du PDG, organisée comme une mafia familiale, qui a dirigé le pays, l'a vidé, a vidé toutes les institutions de leur contenu, a interdit toute forme de compétition politique, a détruit l'administration en la subordonnant. Le mot d'ordre du PDG, dès 1961, c'était la prééminence du parti sur l'État. Ça, c'était déjà l'annonce de la construction de l'État totalitaire du parti-État. Et Sékou Touré l'annonçait bien. Hein, quand il a eu le pouvoir, il l'annonçait clairement qu'il va construire un État où le parti sera la référence majeure, unique et suprême.
Hitler aussi avait fait la même chose. Il avait annoncé dans un Mein Kampf ce qu'il allait faire. Les gens ont cru qu'il rigolait. Sektouré l'annonçait à tout bout de champ qu'il va construire une révolution, un homme nouveau, et il a réussi malheureusement. Et c'est l'héritage de cette gangrène qui a semé la désolation sociale, politique et culturelle dans notre pays. C'est cet héritage qu'on traîne aujourd'hui avec des Alpha Condé. Donc le combat qu'on va livrer doit être un combat bien pensé, enraciné dans notre histoire, et pour montrer que si aujourd'hui les partis politiques qui fonctionnent en Guinée n'arrivent pas, arrivent ou fonctionnent en calquant leur fonctionnement sur le modèle de parti-État de la clique mafiosique de Sékou Touré, eh bien ils échoueront toujours. Parce que dans ce combat-là, les héritiers de Sékou Touré ont une longueur d'avance. Donc il va falloir repenser totalement nos actions et barrer la route à l'érosion sociale et politique que les Sékou Touré ont semé dans notre pays, si on veut y voir clair. Mais si on veut dire que nous, on est des attardés qui ne pensons qu'au passé et qu'on est là pour régurgiter des histoires par amertume, eh bien, ceux qui pensent comme ça n'ont qu'à s'y essayer. Et il ferait mieux d'écouter les enseignements qu'on cherche à tirer de notre histoire, sinon ils s'apprêtent à aller dans le gouffre. S'ils n'y perdent pas leur vie, ils perdront toute leur fortune politique et leur fortune économique. Et la construction de cette mafia était tellement bien faite que, c'est comme l'a rappelé M. Barry, c'est deux familles finalement qui régnaient sur le pays, dont une prééminente, la famille Touré, et la famille de la femme dont on rappelle la femme de Sékou Touré, André, qui était une fille naturelle métisse d'un blanc avec une femme africaine. Et c'est cette branche-là, André Touré aussi a créé sa propre branche à l'intérieur de cette mafia familiale. Et vu qu'il était lié de façon maritale au Mamadi Keïta, il les a amenés dans le giron de cette mafia familiale. On a constitué les deux clans, les clans Touré et les clans Keïta, qui ont semé la désolation qu'on connaît en Guinée. On ne peut pas dire que c'est un régime malinké. On ne peut pas dire que c'est des larbins qui sont venus assister des malinkés. C'est deux branches d'une même famille qui se sont constituées en bande et qui ont semé la désolation qu'il y a dans notre pays. Si on ne pense pas comme ça, on va tomber dans le piège des problèmes ethniques, dans le piège des divisions sociales, dans le piège des partis qui fonctionnent uniquement par la tête et qui n'ont aucune assise. Dès que la tête tombe, le parti tombe parce que ça ne repose sur aucune structure bien pensée pour le long terme. Et c'est ce qu'ils ont laissé en Guinée. Et Mamadi Keïta fut un architecte de cette machine qui a bousillé totalement, je le rappelle encore, et on ne le rappellera jamais assez, toutes les formes d'institutions. La preuve est que quand il y avait des réunions importantes, c'est à Farana qu'ils allaient se réunir. Et qui ils consultaient, c'était leur frère aîné qui se proclamait comme secrétaire fédéral du parti de Farana et qui régnait comme un roi tutélaire de village. C'était lui qui réglait les différends qu'il y avait dans cette mafia, en dehors de toutes les structures du parti, en dehors de toutes les structures de l'État. Et c'est quand ils ont arrêté quelque chose qu'ils venaient soumettre le peuple à leur volonté. Et donc voilà un ignare composé d'un bâtard, d'un enfant naturel homosexuel, d'un homme désaxé et amer et psychopathe comme Ismaël Touré, et d'un gars qui se dit intellectuel mais totalement corrompu comme Mamadi Keïta. Voilà la clique qui a régné sur notre pays. Et si nous nous arrêtons sur ce personnage particulier, qui ne fut pas qu'un des tortionnaires du PDG, mais aussi l'un des architectes de cette mafia, c'est pour éclairer un coin de notre histoire sur lequel nous invitons tous les jeunes à venir s'attarder parce qu'ils y ont intérêt, s'ils veulent comprendre ce qui est en train de leur arriver et ce qui leur risque de leur arriver. Pour revenir à Mamadi Keïta lui-même, comment il est lié à André Touré, c'est que son père avait épousé la mère de André Touré. Et il avait un oncle qui du nom de dont il porte le nom de Mamadi Keïta, qui était un instituteur reconnu comme une très grande valeur morale, comme un personnage exceptionnel, d'une générosité et d'une ouverture d'esprit exceptionnelle.
mais il aura des enfants et des neveux qui sont tout à fait à l'opposé de ce bon caractère. Eh bien, ce personnage, donc voilà comment ils sont liés avec André Touré. André Touré qui veut se donner des racines familiales parce que son père ne l'a pas reconnu et qu'elle a grandi dans le foyer des métis, eh bien, les a adoptés comme ses propres frères et les a incrustés dans l'appareil mafiotique que la famille de Sékou Touré commençait à créer pour qu'ils participent à se faire une place par la violence et par la destruction. Voilà comment donc le Mamadi Keïta dont on parle, comment il est entré dans cette mafia familiale. Et il était cousin de l'oncle qui avait épousé donc la femme de la maman de André Touré. Cet oncle-là, donc, lui, il était instituteur. Alors que Mamadi Keïta, lui, son père, dont on ne connaît pas le nom, son vrai père, il est né à Kouroussa. Et dans sa biographie qui est très, très confuse, on dit qu'il est né à Kankan, mais en fait, toutes les personnes qui le connaissent disent qu'il est né à Kouroussa. Il vivait au village. Sa date de naissance est une date qui a été fabriquée de toutes pièces pour le mettre à l'école, parce que c'est cet oncle-là qui est allé le chercher au village, qui l'a amené étudier auprès de lui, et qui, vu qu'il avait des moyens et des ambitions pour ses enfants et son neveu, a financé, s'est arrangé pour leur obtenir une bourse d'études. Après qu'ils aient fréquenté l'EPS, qui était l'école supérieure qui ouvrait l'entrée à l'université durant leur génération, eh bien cet oncle-là les a supportés. Il a pris son propre fils du nom de Saïdou Keïta, auquel on va faire mention, on espère qu'on va faire une émission sur lui un jour, qui était un autre tortionnaire du Cambouaro, qui lui, contrairement à son cousin Mamadi Keïta, sera un total raté de l'école. Quand il ira en France, il ne fréquentait que les boîtes de nuit, il n'a jamais fait d'études, il n'aura aucun diplôme. Et Mamadi Keïta, lui, donc, après qu'il ait quitté le village, il est venu faire l'école primaire, après il est allé faire l'EPS, il est arrivé en France. Un homme, ceux qui le connaissent des promotionnaires à lui, dont notre frère Petit Barry, et ils sont de la même promotion, bien que Petit Barry ait été en avance à l'époque, eh bien, il le décrivait comme un jeune studieux très timide et très renfermé. Et ceux qui le connaissaient ne comprendront jamais comment il est devenu le bourreau cynique et orgueilleux qu'il était. Parce que quand il était jeune, il était renfermé. Donc, renfermé parce que complexé et amer. Donc, quand il aura le pouvoir, il démontrera jusqu'où cette amertume était ancrée en lui. Et donc, Petit Barry nous a donné des descriptions assez détaillées de leur interaction et à l'EPS et quand ils sont arrivés à Paris. Parce que quand ils sont allés étudier en France, Petit Barry lui-même, il était étudiant à Genève. C'est là qu'il avait obtenu une bourse pour aller étudier. Eh bien, beaucoup d'étudiants guinéens et africains en 1961, à la mort de Patrice Lumumba, si j'ai bonne mémoire, c'est 60 ou 61, eh bien, ils se sont mis à manifester, à organiser toutes sortes de manifestations. Le gouvernement français en a expulsé une bonne partie. Et quand les Mamadi Keïta et dont un certain de nos frères du nom de Tcherno Diallo, sur lesquels on reviendra, ont été expulsés, eh bien, ils ont obtenu une bourse pour aller en Suisse et à Genève en particulier pour retrouver les petits Barry. Et c'est Petit Barry qui nous raconte, c'est là que Mamadi Keïta commencera à montrer son propre caractère. Eh bien, quand on les a expulsés avec Tcherno Diallo, ils sont arrivés à Genève. Bon, les étudiants guinéens qui étaient là les ont accueillis en frères, ils les ont hébergés le temps qu'ils s'installent. Et pendant qu'ils étaient là, eh bien, il s'est agi de fréquenter, comment dirais-je, d'organiser le bureau des étudiants. Eh bien, Petit Barry, qui était candidat, Mamadi Keïta voulait à tout prix prendre la tête, bien qu'il soit tout juste nouveau dans le groupe. Eh bien, il se présentera contre Petit Barry, il va perdre, il n'aura que sa propre voix, et il en gardera une haine à mort contre Petit Barry, et il cherchera à se débarrasser de lui à cause de ça. C'est pour ça que Petit Barry, en partie, a fait la prison en Guinée, il en a réchappé par miracle. Et quand il était à la Sorbonne, eh bien, il s'est inscrit dans des cours pour faire philosophie, et quand il est arrivé à Genève aussi, il s'est inscrit pour continuer dans la même branche. Et ce que Petit Barry rapporte pendant qu'il était étudiant, eh bien, il a eu des professeurs éminents,
dont Jean Guiton, qui était un ancien prisonnier de guerre, qui était un ennemi juré de la violence et qui était le professeur titulaire de la chaire de philosophie à la Sorbonne. Et il donnait des cours sur Dieu et la vérité et la signification de la vie humaine. Un autre professeur du nom de Vladimir Jankélévitch, très très connu en France et dans les milieux intellectuels, qui était un ancien résistant de la première heure et qui a été marqué par la Shoah, qui était titulaire de la chaire de philosophie morale et qui a abondamment écrit sur le pardon et la haine. Et puis, qui a abondamment décrit pourquoi on doit pardonner. Et ces gens-là, ces deux professeurs éminents, qui ont été parmi les maîtres de Mamadi Keïta. Quelle ironie quand on sait ce qu'il deviendra lui. Lui qui a été plongé dans cette haute philosophie de contemplation divine, de morale et de pardon pour le progrès de l'humanité, eh bien, il n'en retiendra rien. Quand il rentrera en Guinée, non seulement il aura le culot d'occuper permanemment le ministère de l'éducation, mais il se transformera en tortionnaire et encore pire, il contribuera à la destruction de l'école guinéenne, dont on a expliqué ici que les conséquences sont encore beaucoup plus profondes et beaucoup plus tragiques pour la Guinée. Il sera un tortionnaire qui sera heureux de tuer et qui se vantait d'avoir tué, après avoir été enseigné par des professeurs éminents comme Vladimir Jankélévitch et le professeur Jean Guiton. Que tous ceux qui vivent en France ou en Europe connaissent du fait de leur éminence dans la philosophie. Donc, qu'on ne se trompe pas, on a toujours tendance à dire que la Guinée a été dirigée par des incultes. Ce n'est pas vrai. Mamadi Keïta, qui a été l'architecte de la destruction de la Guinée, voilà où il a été nourri. Mais il n'en retiendra rien. Qu'on se débarrasse donc de l'idée de dire que c'est le manque d'intellect qui pousse au crime en Guinée. C'est pas ça. C'est la volonté destructrice qui est venue se greffer sur un peuple qui était enthousiaste pour son indépendance et qui n'a pas vu le mal venir. Et qui a été opéré par des gens qui étaient extrêmement intelligents, certains parmi eux très bien éduqués, dont Mamadi Keïta. Et Mamadi Keïta, malgré son éducation, deviendra non seulement tortionnaire, mais aussi il contribuera à démanteler totalement l'école guinéenne et en faire l'ombre d'elle-même. Et ça, c'est encore beaucoup plus tragique. Pour continuer, donc quand il est arrivé à Genève, il a fini ses études, Mamadi Keïta. Dès qu'il a fini ses études, il est retourné en Guinée. Et là, il s'est mis à la disposition de sa demi-cousine ou demi-sœur, André, et il enseignera pendant un certain temps à l'école, à l'université, pour ceux qui le connaissent, je ne sais pas exactement, peut-être que la Sankara va nous éclairer mieux, eh bien, il gravira rapidement les échelons. En 1969, il deviendra ministre de l'Éducation nationale. Et il occupera le poste. C'est le seul ministre qui a occupé un poste pendant 15 ans d'affilée sans jamais être balayé, tué ou en tout cas envoyé à un autre poste comme si tu adorais faire circuler ses ministres pour leur montrer qu'ils ne représentent rien face à sa volonté suprême. Et pour revenir maintenant, quand il arrive en Guinée, en tant que ministre de l'Éducation, il se spécialise dans quelque chose de beaucoup plus macabre. C'était la politique de subjugation des peuls. C'était lui qui participera au complot contre les peuls, qui en 1976 a interdit de donner des bourses aux peuls. Et puis, il était chargé de monter tous les complots que Sékou Touré et sa famille montaient pour pouvoir arrêter des gens. Et après l'arrestation, Petit Barry nous raconte une scène pendant le débarquement de novembre 1970. Eh bien, lui et
C'est Mamadi Keïta qui était derrière toutes les manigances pour organiser l'enregistrement du discours de secteur par lequel il a pu échapper à la volonté populaire qui commençait à danser déjà en croyant que son régime était tombé. Donc il était au centre de tous les complots que les sécuritaires ont montés pour liquider les cadres, faire du parti un concombre qu'ils utilisent uniquement pour leur propagande et pour justifier leur répression. Et il organisera aussi la mainmise totale dans le groupe de l'information. Quand il viendra voir que le groupe de l'information au ministère de l'information, eh bien, il s'arrangera pour faire arrêter tous les cadres de l'information, y compris le ministre Alpha Amadou Diallo dont on a parlé ici. Donc, ils avaient déjà leur plan qui consistait, parce qu'on sait que pour un régime totalitaire, l'information est extrêmement importante, l'abêtissement des gens, leur endoctrinement est extrêmement important. Donc, voilà le rôle central qu'il a joué dans l'échafaudage de la machine totalitaire du PDG. Et non seulement pas le rôle de penseur, de concepteur, mais il a joué aussi le rôle d'exécutant. Il a poussé le zèle et la volonté de nuire jusqu'à aller exécuter des cadres et venir s'en vanter. Voilà donc la carrière de ce tortionnaire qui a sévi en Guinée. Et Petit Barry nous donne beaucoup de détails. Quand on a arrêté, comme il le faisait, surtout pour le groupe du ministère de l'Information qui a été totalement laminé, dont Petit Barry faisait partie, eh bien, ils arrêtaient quelques personnes au début. Et puis, ils leur faisaient avouer des crimes. Ils leur disaient, bon, quand ils ont arrêté Costa et Cissé Fodé, qui travaillaient à la cellule d'information, eh bien, il leur a dit, bon, écoutez, si vous me donnez des éléments pour que j'arrête Petit Barry, je vous sauve la vie. Et si vous me donnez des éléments pour que j'arrête Alpha Amadou, je vous sauve la vie. Il a dit, ça, c'est des peules. Vous êtes des malinqués, je peux vous épargner, mais ça, c'est des peules que j'aimerais avoir. Donc, et il a dit que, mais les gens-là lui ont répondu, mais écoutez, comment Petit Barry, vous étiez ensemble au collège, vous étiez ensemble à l'université. Il leur a dit, on était ensemble au collège, à l'université, mais ça, c'est le passé. Et puis, quand cette conversation avait lieu au Camboire avec Petit Barry, et puis les gens s'étonnaient, ils disaient, mais tu arrêtes, les gendarmes ont engueulé les prisonniers, Costa et Fodé Cissé, en leur disant, il ne doit pas tutoyer le ministre. Fodé Cissé leur répondit, nous sommes des promotionnaires, ils ont dit, ça, c'est pas la peine. Aussitôt, ils leur ont donné l'ordre de mettre certains d'entre eux à la geôle noire pendant une semaine. Et en leur disant, si vous voulez sortir de la geôle noire, eh bien, il faudra que vous me donniez des éléments, que vous fassiez des dépositions qui incriminent Petit Barry. Parce que vous savez, vous le connaissez bien. Eh bien, ensuite, quand il aura mis ces deux amis de Petit Barry, c'était des amis ensemble, des amis communs qu'ils avaient ensemble, parce qu'ils ont fait l'université ensemble et le lycée ensemble. Il viendra faire arrêter le cousin de Petit Barry du nom de Sékou Umar. Et il le mettra à la geôle noire pendant une semaine alors qu'il était menotté. Il a dit, ouais, toi, tu connais bien Petit Barry. Tu sais qu'il aime l'argent, il aime les belles choses. Comme tu le connais, tu devrais savoir. Il faut que tu me fasses une déposition pour que je puisse l'arrêter. Voilà une fenêtre sur la mentalité sadique de cet individu dont la carrière est tragique à énoncer. Un étudiant de philosophie, professeur de philosophie, membre du comité central de leur parti, membre du bureau politique national, membre ministre de l'éducation nationale, mais aussi membre de la commission d'enquête et de torture du Camboiro et membre des pelotons d'exécution du cadre guinéen et du montage des complots pour liquider toute forme de résistance à l'intérieur du pays pour le mettre entre les mains de la famille, de la mafia familiale, de Sékou Touré et de ses proches.
Et pour terminer cette présentation sommaire, je parlerai toujours de ce qui a été facilement documenté par Porthos, par Kaba 41, qui n'a pas voulu tellement citer de nom, mais tout le monde sait que c'est Mamadi Keïta qui a assisté à l'exécution de Lofo Kamara et il a fait des fanfaronnades à Manica quand il est revenu de cette exécution. Et on sait que toutes les documentations pointent aujourd'hui que c'est lui qui a commandé le peloton d'exécution de Diaoadou et de Keïta Fodéba. Non seulement il commanda le peloton d'exécution, mais aussi il est prouvé qu'il fut celui qui exécuta la balle de grâce en venant après qu'on l'ait tiré à bout portant, alors qu'ils étaient enchaînés, qu'ils sont tombés dans leur fosse qu'on leur avait fait creuser. Il est venu soulever les têtes pour voir si la personne est morte ou pas, et il pointait son pistolet sur le front pour pouvoir bien l'achever. Quand il l'a fait, il a demandé, il a ordonné qu'on enterre les corps. Des gradaires sont venus mettre de la terre sur les fosses communes. On l'a rappelé ici, quand on te l'a tiré, Fodéba était à côté de Diaoadou. Diaoadou est tombé, la tête de Fodéba est tombée sur la poitrine de Diaoadou. Et avant qu'on les exécute, les témoins ont raconté que Fodéba a dit à Diaoadou, on s'est opposé, ça c'est la politique, il lui a tendu la main, Diaoadou a refusé et on lui a renvoyé les rafales. Donc voilà une ouverture très très minime sur l'œuvre de ces gens-là qui ont fait des études de ce personnage, qui ont fait des études de philosophie pour venir se transformer en tortionnaire et pire que tortionnaire pour venir se transformer en destructeur de l'enseignement d'une nation et de l'avenir de jeunes qu'il avait en charge. Avant de raccrocher, je parlerai, j'ai mentionné ici Diallo Thierno, qui était un ami de Petit Barry avec lequel ils ont étudié à Genève, et dont Petit Barry a dit que c'est l'un des hommes les plus brillants qui lui a été donné de connaître dans sa vie. Diallo Thierno, quand ils ont fini leurs études universitaires, Diallo Thierno retourne en Guinée où il enseigne. Ensuite, on le nomme comme directeur des inspecteurs ou directeur des études à l'abbé, où il sert pendant quelques années. Après, il renonce totalement à l'enseignement, à sa vie de fonctionnaire, et il adopte l'islam. Aujourd'hui, il vit. Quand on a fait l'émission en polar, un de nos parents nous a appelé pour dire qu'effectivement, il est aujourd'hui à Sagalé, où il se consacre uniquement à l'étude du Coran. Et il a commenté en disant que ce qu'il a vu dans le régime du PDG l'a orienté vers la contemplation de Dieu parce qu'il voulait réchapper. Il ne pouvait pas comprendre que les gens avec lesquels ils ont fait des études dans une atmosphère de promesses de construction d'une nation reviennent pour se transformer en fonctionnaires et en destructeurs de l'enseignement. Donc je m'en tiens à ça, je m'arrête là pour laisser la parole à ceux qui veulent compléter. Et nous demandons encore à tous ceux qui ont des éléments sur ces sinistres personnages sur lesquels il est très difficile de se documenter, de nous apporter leurs commentaires. Quand on va poster éventuellement le programme, on demande qu'ils commentent. Et s'ils ont des choses à rajouter, ils n'ont qu'à nous les envoyer. On est toujours receveur parce qu'actuellement, un livre est envisagé et en écriture basé sur les émissions qu'on a faites depuis 3 ans. Et ce serait très intéressant que les contributions de tout le monde nous arrivent pour qu'on puisse les incorporer afin d'enrichir cette histoire qui a été écrite de façon mensongère et qui a été totalement trafiquée. Nous demandons à tous les Guinéens de faire très attention à ce qu'on est en train de faire à une échelle minime. C'est un devoir de mémoire sans lequel la construction de la nation n'aura jamais lieu. Et nous encourageons tous nos parents, tous nos compatriotes qui se battent à bien étudier la façon de se battre. Et aucune bataille politique n'est possible
si elle n'est pas adossée sur une compréhension totale et profonde et détaillée de l'histoire. Et nous saluons tout le peuple de Guinée dans son combat, mais nous voulons attirer son attention sur cet aspect essentiel du combat qui nous est commun, parce que tout échec renforce l'ennemi et nous voulons éviter ça. Nous voulons éviter l'échec permanent qu'on a connu. On leur demande de se ressourcer, de faire très attention et s'ils ont des éléments qu'ils peuvent nous communiquer, ils nous sont preneurs et nous leur demandons d'étudier de façon très studieuse ce qu'on est en train de faire ici. S'il y a des erreurs, de les corriger pour construire une histoire véridique pour l'avenir de la Guinée. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ba, pour votre brillant exposé. Alors, je continue en passant la parole maintenant au panel de la Commission centrale de postal Fibantal, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, si vous nous écoutez, nous attendons votre contribution. Ok, merci Monsieur Barry, merci pour l'introduction et merci Bachir pour la présentation sur ce personnage sinistre qui de l'époque de Sékou Touré, Mamadi Keïta. Je remercie encore toujours la fréquence Gandal pour sa disponibilité et je salue tous les auditeurs qui sont à l'écoute. Alors moi aussi, bon. Je connais pas grand-chose de Mamadi Keïta, mais je sais qu'il a été ministre de l'Éducation et que c'est à cette époque que l'éducation guinéenne a vu sa déchéance totale. Et vous saviez que avant lui, c'était Barry Diawadou qui était le ministre de l'Éducation. Donc, au temps de Barry Diawadou, il y a eu des réformes très positives, très sur l'éducation. D'ailleurs, il y a eu la réduction des années du collège de 4 à 3 ans, ce qui a ramené le cycle préuniversitaire à 12 ans. Et les gens étaient envoyés à l'extérieur comme boursiers par mérite. Donc, c'était les premiers auxquels on donnait des bourses. Et je me rappelle alors à l'époque ils sont allés dire que ce Barry Diawadou est en train d'envoyer seulement les peuls à l'extérieur pour étudier, alors que c'était tout simplement par classement qu'ils le faisaient. C'est comme en tout pays normal. Donc ils ont nommé Mamadi Keïta comme ministre de l'Éducation. Et là, nous avons vu vraiment la qualité de l'école guinéenne se détériorer. Par exemple, je me rappelle quand nous, on était au lycée, et chaque année, ils changeaient le programme. C'est-à-dire, ce que tu avais, si tu faisais, par exemple, le courant alternatif en dixième, hein, et tu devais faire le courant continu en électricité en onzième, dès que tu quittes la dixième pour aller en onzième, on ramène le courant continu en dixième et on amène le courant alternatif en onzième. Donc, tu te retrouves à avoir sauté des cours parce que chaque année, par fantaisie, du ministère de l'Éducation nationale, les programmes tombent et c'est ce qu'on doit enseigner à tel niveau, c'est ce qu'on doit enseigner à tel autre niveau. Donc, on a eu vraiment une formation bâclée au niveau du lycée à cause de ça. Et c'est sous son patronage aussi qu'on a introduit les langues nationales en Guinée. Et l'objectif, là, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'était tout simplement pour isoler la Guinée. Parce qu'ils se sont dit que si les Guinéens comprennent français, on enseigne en français, ils pourront écouter les radios internationales, suivre la presse internationale. Alors que s'ils étudiaient seulement en langue nationale et s'ils ne comprenaient que les langues nationales, ben, ils ne peuvent écouter que la radio locale et lire bon, il n'y avait pas de journaux en langue nationale. Donc, tout simplement, ils étaient ils ne recevaient des nouvelles que du système du PDG. Donc, ils pouvaient les nourrir de la propagande du PDG et les isoler complètement, pour complètement abrutir les Guinéens et les maintenir.
ça n'avait rien à voir avec leur amour pour les langues nationales, leur amour pour la culture africaine, rien du tout. Hein? Donc, c'est pour cela que les gens se sont retrouvés, qu'ils ne se comprennent même plus dans le pays. Parce que si tu es au Fouta, tu étudies en Peul, si tu es en Haute-Guinée, tu étudies en Marenké, si tu es en région Azéré-Corée, tu étudies en Guersé, si tu es à Kissidougou, tu étudies en Kissi, hein? Massanta ou Yomou, Antoma, c'était devenu du n'importe quoi. Et dites-vous bien qu'il n'y avait pas de matériel scolaire pour supporter, et cela, ça a été une décision prise comme ça au hasard sans, et qui n'était pas bien réfléchie. Donc, il n'y avait pas d'enseignants en langue, dans ces langues-là qualifiées. On ne pouvait pas enseigner toutes les disciplines dans ces langues-là, dites-vous bien, et que ces langues n'avaient pas de termes pour la chimie, pour la physique, pour les maths avancées, pour tout ce qu'on enseignait normalement dans des cours, ces langues n'avaient pas ça. Donc, les gens se sont retrouvés tout simplement avec une formation bâclée et aujourd'hui, nous sommes en train de payer ce prix-là avec le déficit de cadres que nous avons en Guinée ou des cadres mal formés hein, qui sont des produits de ce système d'enseignement. Et cela est la responsabilité directe de Mamadi Keita et de son temps au ministère de l'Éducation nationale. Donc pour cela, ce personnage-là est aujourd'hui responsable du retard et du déficit intellectuel que nous avons en Guinée. Bon, de l'autre côté, sa cruauté, comme Bachir l'a mentionné, était légendaire. Je me rappelle avoir entendu dire, d'ailleurs, dans un des livres de trucs, quand ils ont exécuté Madame Lofo Camara, et il est venu dire à Malinké qu'ils l'ont exécuté, qu'ils ont tiré sur elle jusqu'à ce que la fumée sorte de ses narines. Et je m'excuse auprès de la famille de Madame Lofo Camara hein, pour l'avoir raconté ça, mais c'est ce qu'il avait dit. Donc vous voyez comme elle, ce personnage était sinistre. Hein? Madame Lofo Camara était la seule femme ministre du gouvernement de Sékou Touré. Malgré toute sa propagande sur la promotion féminine, cette dame, brave dame, qui avait milité dans le PDG, hein, c'est elle qu'on exécute comme ça, sans état d'âme, et son corps n'a jamais été rendu à sa famille. Donc c'est ça le personnage de Mamadi Keita. Donc Bachir vient de le définir, celui qui donnait le coup de grâce aux prisonniers qu'on exécutait. Et dites-vous bien, ça, c'est des gens qu'il connaissait très bien. Ce n'était pas des trucs, c'était des personnes, soit avec lesquelles il a fait des études, soit avec lesquelles il a été dans le même gouvernement. Et vous savez bien que sous le régime du PDG, hein, Amnesty International chiffre à 50 000 et le nombre de victimes du PDG. Donc, Mamadi Keita, il appartient au clan. Au clan familial de d'André Touré. Et vous savez, comme Bachir l'a indiqué, là, André Touré est la fille d'un Français qui s'appelait Duplantier, et c'était une enfant naturelle, c'était une fille naturelle de ce monsieur-là. Et vous savez, à l'époque, tous les enfants naturels que les Français laissaient en Guinée là-bas, quand ils retournaient, on les envoyait à Pita où il y avait un foyer de métis. Et c'est là-bas qu'on les formait. Mais à partir d'un certain âge, il faut qu'ils quittent le foyer des métis. Donc, la maman d'André Touré s'était mariée à Pita, à un monsieur de la ville, de la région. Et après, quand André a quitté le foyer des métis qui se trouvait à Pita, effectivement, on l'a confiée à la famille de Senkou Kaba, parce que la sœur d'André Touré, la sœur de la maman d'André Touré était mariée au vieux Senkou Kaba, qui était d'ailleurs du Béhanjé de Barry Diawara. C'est dans cette famille que Senkou Touré est allé demander la main d'André Touré, dans la famille de Monsieur Senkou Kaba. Alors, lui et elle, sa maman, s'étaient mariés à Cancan dans la famille Keita, comme Bachir l'a indiqué, où Mamadi Keita a été élevé. C'est le père de Seydou Keita et de tout ce beau monde-là. Et comme sa sœur était mariée à la sœur
Sa tante était mariée à Senkunkaba. André a été élevée là-bas. Et là, elle a fait l'école. D'ailleurs, Madame Marega mentionne dans son livre, elle a écrit tout récemment qu'elle a fait le collège des jeunes filles avec André Touré. Donc, c'est vous dire combien ces gens étaient cruels, combien ces gens étaient sans état d'âme. Parce que toutes ces personnes qu'ils ont exécutées, la plupart de ces cadres qu'ils ont exécutés, ils ont détruit là-bas. C'est des gens qu'ils connaissaient bien. Et nous avons mentionné ici, et c'est écrit dans le livre de Madame Maréga, que, par exemple, Ismaël Touré et Docteur Maréga dormaient dans le même lit. Et Ismaël avait été reçu, hébergé par là, le père de Docteur Maréga. Parce que dites-vous bien que le père d'Ismaël Touré, comme on l'a appris dans une de nos émissions, avait été arrêté et pour vol de bétail, je crois, et finalement, et comme récidiviste, et avait été envoyé au bagne en Mauritanie, où on lui avait interdit de revenir en Guinée. Donc sa famille était dispersée, et c'est le vieux Fodé Maréga, le père du docteur Maréga, qui l'avait reçu. Et vous savez, on a vu dit ici comment docteur Maréga aussi a fini au Camboiro là-bas. Donc c'est cette famille-là, le clan Touré et le clan Keïta, qui est responsable de tous ces crimes, de la destruction de l'éducation en Guinée. Et c'est là que la Guinée n'arrive pas à se relever. Parce que les crises économiques, elles arrivent. Hein, et on peut, quand il y a des hommes, quand il y a l'intellect dans le pays, quand les ressources humaines sont là, on peut se relever de ça. On a vu que l'Allemagne a été détruite, hein, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais comme les Allemands étaient là, l'éducation, la formation étaient là, ils se sont relevés aujourd'hui. C'est le meilleur pays européen. Mais quand tu détruis l'éducation dans un pays, tu as détruit les ressources humaines. Et un pays, c'est ça, c'est l'être humain. Ce n'est rien d'autre. Sinon, c'est une brousse. Quand tu as une qualité, quand la qualité des ressources humaines est là, le pays se développe, le pays devient un pays prospère. Quand cette qualité n'existe pas, quand les ressources humaines n'existent pas, alors ce que tu as, c'est un pays arriéré. C'est qui n'avance pas. Et le régime de Sékou Touré est un régime criminel. C'est un gouvernement de bandits qui a gouverné ce pays. Ils sont comportés au pouvoir comme des bandits et nous vivons jusqu'à présent ces conséquences. Si aujourd'hui vous voyez que le régime d'Alpha Condé se comporte de cette façon, c'est qu'Alpha Condé, qui ne devait même pas gouverner, diriger une petite mairie en Guinée, et qui se retrouve aujourd'hui président de la République, et qui est en train de foutre ce pays en l'air. Et qui a ramené dans son gouvernement tous les rejetons des tortionnaires du Camboire. Parce que si vous voyez la liste des ministres qu'ils ont là-bas, tous pratiquement, beaucoup d'entre eux sont des descendants des petits-fils ou petits-fils de gens qui dirigeaient le comité révolutionnaire sous le régime de Sékou Touré et qui sont responsables de toutes ces tueries dont on parle ici, de tous ces massacres dont on parle ici tout le temps. Donc, nous devons continuer à combattre, à lutter pour que la Guinée devienne un état de droit et que pour cela va nous permettre de remettre ce pays sur les rails. Et d'aller demander de l'aide à l'extérieur pour qu'on éduque les Guinéens, pour qu'on forme ce pays, qu'on fixe ce pays, parce que ce pays a été détruit par des gens comme les Mamadi Keïta. Et ce sont ces conséquences que nous vivons aujourd'hui. Alors, vous voyez le régime d'Alpha Condé. Quand Alpha Condé a pris le pouvoir, il a dit qu'il va ramener la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Et vous voyez aujourd'hui son comportement. Aujourd'hui, on kidnappe des jeunes dans les rues de Conakry, dans les quartiers Peul, on les déporte dans un camp qui n'est rien d'autre qu'un goulag et on les torture là-bas. Et jusqu'à présent, des centaines de jeunes qu'on a kidnappés dans les rues de Conakry, personne ne les a vus. Personne n'a de nouvelles d'eux.
Et personne aussi ne cherche à aller là-bas, hein, pour s'enquérir des conditions dans lesquelles ces jeunes sont détenus. Et c'est pour cela que je continuerai, à Portal, nous continuerons à lancer un appel au FNDC, pour qu'ils exigent, pour qu'ils exigent, et au barreau des avocats qui a fait une déclaration où ils ont parlé de ces gens-là, pour qu'ils demandent à aller voir ces jeunes, à aller inspecter le camp, voir dans quelles conditions ces gens sont détenus. Et d'envoyer une lettre d'avertissement au commandant du camp et au ministre de la Défense, pour les prévenir et les avertir que ces crimes-là ne resteront pas impunis en Guinée. Et qu'un jour, tôt ou tard, ils rendront des comptes sur leur comportement. Donc, allô, vous m'entendez? On vous entend bien. D'accord, j'ai Oui, entendu les oui. bruits, pas de rien. Donc vraiment, notre pensée va pour ces jeunes-là. Et nous souhaitons franchement que dans cette lutte-là, pour éviter qu'Alpha Condé ne se perpétue au pouvoir là-bas, qu'on cherche à savoir ce que ces jeunes sont devenus. Et je prie le bon Dieu, n'accepte pas, que Alpha Condé ne puisse pas réaliser son plan machiavélique de rester au pouvoir en Guinée là-bas. Parce que il est en train de traîner ce pays dans le trou et de ramener ce pays dans le système du PDG. Et le seul obstacle qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas le contrôle des médias, comme c'était le cas au temps du PDG, dans les années 60 et les années 70 et du début des années 80. Aujourd'hui, grâce au développement de l'Internet et de tous les produits qui sont associés à ça, et ces gouvernements fascistes, dictatoriaux, n'ont pas le monopole de la presse. Donc leur forfait sont exposés au monde entier. Et demain, je vais rappeler aujourd'hui, demain, et la Cour de justice de la CEDEAO va se prononcer sur la plainte déposée par le FNDC. Une plainte d'ailleurs qui a été faite déposée là-bas grâce à Portal Fibantalfota Diallo, qui a, à travers son avocat, suggéré au FNDC d'aller déposer une plainte à la CEDEAO. Donc c'est une plainte qui est là et qui met la CEDEAO devant ses propres lois, et qui demande à la Cour de justice créée par la CEDEAO de se prononcer sur les lois sur la violation des lois de la CEDEAO. Donc nous avons tout ça en cours et nous luttons. Mais tout ça, c'est parce que nous voulons aussi en même temps parler du PDG, du régime du PDG, pour que les Guinéens comprennent pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Parce que si tu ne connais pas le passé, tu ne peux pas comprendre le présent. Et si tu ne comprends pas le présent, tu ne peux pas planifier le futur. Donc il faut absolument qu'on parle de cette période-là, pour qu'on sache au moins comment on est arrivé là, pour qu'on fasse le diagnostic de cette situation dans laquelle nous sommes et qu'on trouve des solutions ensemble. Et comme Bachir l'a indiqué, ce n'est pas un problème ethnique. C'est un clan familial qui a dirigé la Guinée et qui a détruit ce pays. Donc, que les gens, même si ce clan familial se retrouvait dans l'ethnie malinké ici, c'est tout simplement parce que les Sékou Touré étaient de ça. Mais c'est leur famille qui dirigeait cela et tous ceux qui n'étaient pas de cette famille pratiquement étaient en danger dans ce pays. Et d'ailleurs, on peut le voir sur la liste des gens qui ont été arrêtés, parce qu'on a parlé de Karim Fofana ici, de Karim Bangoura, de Koumandian Keita, et on parlera d'autres, parce qu'on a encore la liste des prisonniers est pratiquement infinie. Donc on ne pourra jamais, même en consacrant toute notre vie à ça, parler de tous les prisonniers qui ont disparu au Cambodge. Tous ces hommes valables qui ont été détruits par ce système.
Mais nous ferons un effort pour parler d'un grand nombre d'entre eux pour donner au moins une image de ce qui s'est passé là-bas aux générations futures. Et nous sommes sans état d'âme pour cela. Nous n'avons d'amis que la vérité, la justice. Nous sommes sans état d'âme. Donc que les gens ne viennent pas se plaindre ici qu'on insulte ces Touré ou qu'on fait ceci, cela. On n'insulte personne. On parle de ce qui s'est passé en Guinée sous le régime de Sékou Touré. Et on a dit, on a expliqué comment Sékou Touré est venu au pouvoir ici. Parce qu'il s'est prostitué avec Corneille Gentil. Il était l'amant de Corneille Gentil. Et c'est ce monsieur qui l'a imposé sur la Guinée. Et au Guinée, sur les Guinéens plus. Donc, nous parlerons de ça. C'est ça la réalité. Et il faut que les gens le sachent. Ce n'était pas un génie, ce n'était pas un truc. C'était une personne qui s'était prostituée. Et c'est le gouverneur de l'AOF qui est en partie responsable de la venue de Sékou Touré au pouvoir en Guinée. Là, nous allons en parler. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Donc, on ne va pas venir nous diriger qu'un raté de l'école primaire, un apprenti menuisier était un génie ou était un érudit. C'est des histoires. Alors, il faut qu'on parle de l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle serait posée. Et il s'est entouré de médiocres. Et il a foutu la Guinée dans un trou dont on n'arrive pas à sortir. C'est tout ce que j'ai à dire ici. Et franchement, je remercie Fréquence Scandale, l'équipe de Fréquence Scandale et l'équipe de la Commission centrale, le portal Fibantal Fouta Jalon, pour tout cet effort qu'ils ont fourni pour venir au moins expliquer aux générations actuelles. Et la vraie histoire, et ce qui s'est passé en Guinée, et raconter la vraie histoire de ce pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur Diallo. Parler de ce bilan macabre du clan Touré-Keïta en Guinée, c'est quelque chose de très difficile. Il faut donner assez de temps à ça, parce qu'il n'est pas facile de citer toutes les conséquences néfastes. Mais quand Bachir nous a parlé aujourd'hui de ce qui s'est passé entre Petit Barry en Europe et Mamadi Keïta, on a vu quand même une suite logique. Parce que nous savons tous qu'en 1976, 1977, sous la direction de Mamadi Keïta, qui était le ministre de l'Éducation nationale, des noms de famille, Peul, Diallo, Sow, Baldé, Ba, n'ont pas pu bénéficier de bourses d'études à l'extérieur, même si ils étaient les plus méritants. Ça, c'est l'un des bilans. Et aujourd'hui, quand on parle de l'éducation, ça, Sékou Touré, quand Sékou Touré parlait de sa prétendue révolution multiforme, il a omis de parler, disons, il a refusé de parler du mal multiforme qu'ils ont fait à la Guinée. Quand tu sabotes l'éducation, aujourd'hui, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, ou bien de voir comment les gens s'expriment par-ci, par-là, ou par des problèmes qu'ils ont à évoluer dans les écoles et partout, pour savoir qu'il y a eu le passage de Mamadi Keïta, hein, avec toute l'autorité qu'il a eue, l'autorité conférée par son appartenance à ce clan, parce que l'école a été sabotée. Ils ont organisé ce qu'ils ont appelé l'enseignement de masse, où il n'y avait aucun système de sélection. Chaque année, tout le monde passait en classe supérieure. N'est-ce pas là une trahison nationale? Sans compter encore la façon dont les étudiants ont été sortis de l'école, des classes où ils devaient apprendre pour être au service du pays, pour les amener
en brousse, en campagne, pour, dit-on, faire la campagne, alors qu'on avait fini de saboter la production agricole dans notre pays. De l'université qu'on a pris des étudiants pour aller dire, bon voilà, il faut apprendre aux gens comment cultiver. Et on sait encore à quoi ça a mené le pays. On est allé prendre des tracteurs en Roumanie pour venir donner, répartir ça dans tous les pays, dans tous les villages et districts, même là où vraiment l'agriculture ne pouvait pas, compte tenu des conditions du sol. Vous pouviez voir, disons, des villages qui, avec leurs tracteurs, étaient obligés d'aller dans un autre village pour chercher là-bas un terrain où il faut labourer. Alors là, vraiment, on ne peut pas citer toutes les conséquences du passage de ce clan à la tête de notre pays. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire qu'il y a eu des victimes. Nous tous sommes des victimes. Même les enfants qui naissent aujourd'hui. Parce qu'il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui en Guinée pour savoir que tout le monde est victime. Aujourd'hui, on parle de la mort du colonel Issa Camara pour dire que le criminel, c'est le criminel. Et disons, comme on le dit souvent, l'arbre planté par Sékou Touré est toujours en vie en Guinée. Parce que ce Issa Camara, nous savons tous ce qu'il a fait quand il était membre du CNDD et nommé gouverneur de Mamou. Après, il a quitté là-bas Alpha Condé qui est le promoteur des criminels. Parce qu'il suffit de voir ceux qui sont autour de lui. Ceux qui ont bénéficié de promotion depuis qu'il est venu au pouvoir, pour savoir que Alpha Condé est un promoteur de criminels. Donc, Issa Camara est allé encore pour être préfet de Mali. Il était préfet ou commandant d'un camp là-bas. Là-bas aussi, on connaît la désolation qu'il a laissée à Mali. Ça n'a pas dit à Alpha Condé, ça n'a pas empêché Alpha Condé de le grader et de le nommer à la tête d'un grand camp à Chouj à Conakry. Et il semblerait que ce sont les militaires même, certains militaires, qui ont fait des rumeurs pour dissuader Alpha Condé de ne pas continuer la promotion de ce criminel. À la tête de l'armée, il l'a nommé. Je crois qu'il est mort, c'était à Lola. Il est mort aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour vous dire que le système que le clan Sékou Touré avec son allié de la famille, ses alliés de la famille Keïta, ce système-là qu'ils ont mis sur pied, c'est un système destructeur pour notre pays. Donc, je voudrais passer la parole maintenant au panel de la grande radio, Radio Gandal et la Sankarela. Si vous nous écoutez, on vous passe la parole. Nous savons que toujours vous faites de bonnes contributions au débat. Donc, nous vous passons la parole. Merci. Merci, mais je n'ai pas grand-chose à dire après tout ce qui a été dit. Seulement quelques remarques. Mamadi Keïta est le fils du grand frère à l'époux de la mère de André Touré, qui était à Pita, qui est allé le chercher et le mettre à l'école. Celui-ci était le père de Sédou et du frère de André, qui est Moï Keïta, cet enseignant. Donc c'est
Mamadi, moi, je l'ai connu quand il est rentré d'Algérie, parce qu'il a été en France. Après, je crois qu'il a terminé en Algérie. Quand il est rentré, il a un peu enseigné au lycée technique de Donka. C'est en ce moment que je le voyais avant qu'il n'ait sa réhabilitation comme secrétaire général avant d'être ministre. Mais Mamadi était foncièrement contre les Peuls. Soit qu'on le dise ou pas, mais c'est comme ça. Dans les orientations, c'est lui qui les faisait. Après le bac, il envoyait les gens comme il voulait. Il donnait des bourses comme il voulait. Et pourtant, les bourses dépendaient de la présidence, mais c'est lui qui les faisait, qui les préparait avant que Sékou nous donne son accord. Au Camboiro, on sait que dès 69, avec le complot Kamman, il était l'un des secrétaires d'abord, ensuite l'un des présidents d'interrogatoire, parce qu'il faut l'appeler comme ça. Il était cynique, cynique. Et docteur Barry Mamadou a témoigné de beaucoup de choses, c'est comme tel. Mais si vous le voyez, il ne sourit pas. Il a sa bouche toujours tirée, avec des lunettes qu'on appelait à l'époque Essilor, qu'il portait, et qui avait une couleur bleuâtre qui cachait ses yeux, et vous sentez que c'est un criminel. Et parler de lui, c'est vraiment une très bonne chose. Il avait une épouse qui était une Peul Wasulunké, une femme Diakité, qui était infirmière à ou sage-femme plutôt à Donka. Une femme très effacée qui a fait des enfants et dont le frère, qui était également à la cité ministérielle et qui a étudié avec nous, qui a fait mathématiques, qui est l'un des... En fait, l'un des enfants du PDG, comme on le dit, on peut le dire comme ça, qui a finalement... qu'il a finalement aidé à faire son doctorat en Union soviétique, doctorat en mathématiques. Il est là et tout ceci il a rapporté les gens. Mais on ne rentre pas dans ces détails. L'histoire, comme on le dit, donnera raison à qui a raison. Et nous, ici, avec Portage Bantal, on veut donner les leçons à ceux qui ne veulent pas comprendre que l'histoire du pays est dans nos mains. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que j'ai ajouté, je crois que Eladji Ibrahim est là. Il doit le connaître aussi. Eladji Ibrahim. Oui, bonsoir Eladji, merci. Et bonsoir à la Commission centrale de Potafi Bantal. Et comme on le dit communément, vous avez quitté chez vous, vous êtes chez vous. C'est notre radio, c'est notre élément commun. Et merci encore pour le choix de ce personnage. Quand je dis ce personnage, que tout ce qui s'est passé du temps de la Révolution, c'est chacun avait un rôle à jouer. Est-ce que c'était vraiment eux? Est-ce que c'est le visage que nous connaissons? Derrière ce visage que nous connaissons se cachait une âme sinistre, une âme lugubre. C'est difficile, évidemment. De temps en temps, je fais cette remarque à des amis au cours de certaines conversations. Je dis que si tu veux voir
Si tu doutes un peu de l'existence de Dieu, regarde ce qui se passe en Guinée. Tu te poseras à quel enfin que tu finiras par accepter que Dieu existe. Alors, mes frères et sœurs, bonsoir. Et je ne connais pas très bien M. Mamadi Keïta, parce que lorsqu'il venait à l'éducation, j'avais pratiquement quitté Conakry. Mais je vais juste rajouter une précision que je voudrais rajouter, peut-être que la Sankalila de M. Rerel, hein, c'est qu'avant M. Mamadi Keïta à l'éducation nationale, comme j'ai fait le lycée, le collège Koun 1, qui est actuel lycée 2 d'octobre, nous faisions face à l'éducation nationale. Donc, je me souviens, il y a eu M. Magasuba Mouriza, qui a été exécuté, bon, suivi de Dr. Conté Seydou, et après ça, je me souviens qu'il y a eu M. Tiboutoumkara, dont on parle actuellement sur les pages des victimes de Kambouaro. Ceux-là ont précédé M. Mamadi Keïta. Alors, comme je vous disais, c'est un monsieur que j'ai pas très connu parce que mon lycée, j'ai fait à Kanka. Mais je noterai simplement au passage, à travers la description que j'ai compilée. Parce que le PDG cherchait souvent à faire la concurrence avec un système machiavélique, de faire la concurrence entre les gens qui étaient en présence, qui étaient en scène. Vous savez, si M. Mamadi Keïta était un étudiant en philosophie qui est revenu en Guinée lorsque beaucoup de personnes sortaient, il se voit méritant, je dis bien méritant, le titre de révolutionnaire ou de patriote. Mais pratiquement aussi à la même époque, il y a un monsieur qui se voulait aussi très fort en matière de philosophie, qu'on appelait M. Sékou Camara, dit Sékou Philo. Et au-dessus de ces deux, parce que M. Mamadi a commencé à enseigner, au lycée, par enseigner plutôt, au-dessus de ces deux, Sékou Philo et Mamadi Philo, comme c'est tous des philosophes, il y avait un autre philosophe, plus haut perché dans la hiérarchie de l'administration. Je veux parler de M. Louis Béanzin, parce qu'à l'époque, c'était passé à un nom Béanzin. Et vous vous rappelez que M. Béanzin était le chargé de l'école, qui était le directeur de l'école des cadres. Lorsque les promotions de police finissaient avant, à ce moment-là, ils n'allaient pas au camp, mais il passait à l'école des cadres. L'école des cadres, c'était des bâtiments préfabriqués, une petite cité de préfabriqués, dans la cour de l'actuelle Grande Mosquée Faisal. Parce que c'est dans le jardin botanique, ce jardin des fers-là, qu'il y avait ces préfabriqués. Et M. Béanzin était là, donnait des cours de trucs de révolutionnaires, et etc., etc. Là que M. Sektouré aussi passait. Alors, est-ce que M. Mamadi Keïta ne voyait pas en Sékou Philo ou bien en Béanzin des concurrents ou bien des types qu'il fallait écarter pour s'affirmer? Ça a dû se faire. Sékou Philo aussi. Mais finalement, M. Sékou Philo n'a pas échappé à la prison parce qu'en 1961, il a été arrêté. Il a fait boire. Bien. Alors, aussi, M. Béanzin, vous savez, c'est quelqu'un qui aussi était très malin. C'est pour ça que je traite M. Béanzin de philosophe. Les autres étaient trop jeunes par rapport à lui, à mon avis. Maintenant, une seule fois, des personnes m'ont parlé de M. Mamadi Keïta. C'est à tout hasard, dans les années 80. 88-89, j'ai rencontré à Genève
deux personnes du Sili Cinéma. C'est M. Bamoukhtar Dalaba avec M. Costadias Ndiaye Costa, qui ont tous été arrêtés lorsqu'ils ont raflé le Sili Cinéma. Et ceux-là m'ont parlé justement du cynisme de M. Mamadi Keïta. Parce que je leur ai dit, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils cherchaient en Suisse. Et après cela, je leur ai fait comprendre aussi qu'il y a des, il y a Petit Barry qui étudie en Suisse, et puis M. Fofana Almami avait étudié en Suisse. Je lui ai dit, mais oui, mais justement, c'est-à-dire, il y a qui m'a dit, il dit, Mamadi Keïta a beaucoup contribué à nous enfoncer. Parce que je me souviens que monsieur, le diplôme de M. Barry, Petit Barry, se trouvait dans le salon de son grand frère, M. Barry Oumar, dans l'ancien, dans un bâtiment colonial en face de moi, Saint-Pierre. M. Barry Oumar, instituteur. Alors, aujourd'hui, lorsque M. Bachir dit qu'il est camarade de promotion depuis le lycée avec M. Petit Barry, alors je suis encore beaucoup plus édifié. Et je comprends cela encore. Mais je sais simplement que une personne qui n'a pas, qui a été, dont le nom figure sur les pages noires de tous les livres qui ont parlé du Camboiro, de toutes les histoires du Camboiro que j'ai eu à entendre oralement avec les anciens détenus qui me connaissent de Boiro, à qui ils osent dire certaines choses, certaines vérités, il ne fait pas bonne figure. Et c'est dommage, c'est dommage. Comme je le dis régulièrement, cherchons une place, faisons, préparons le terrain, pavons le chemin pour nos enfants, pour que demain ils puissent dire la tête haute, je suis fils de tel, c'est tel qui était mon fils, c'est tel qui était mon père, c'est tel qui était ma mère, ou bien je suis fils de tel et de tel, avec fierté. Mais lorsqu'on entend un monsieur dire que c'est une fierté d'occuper le poste ministériel, de gérer le même portefeuille ministériel que son père, ça c'est Ankera qui dit ça, parce que son père avait été ce que vous savez. C'est beau de ressembler au père, d'accord, mais dans le bon sens, dans les bonnes pages de l'histoire. Vous m'excuserez, je vais m'arrêter là, mais entre parenthèses aussi, excusez-moi, je vais rajouter ceci. Je suis sorti de prison le 1er août 77. Et déjà en 77, il y a ces jeunes qui étaient là. Il y a Kerno Diallo, le fils de Telly, il ne pouvait plus aller. Il y a mon oncle Aline Tchapra, qui était boursier de la Marine nationale, qui était chef d'état-major adjoint de la Marine, qui était venu en vacances, mais tout a été mis en œuvre pour ne pas qu'il rentre à Moscou, parce qu'il est peul, il n'a plus droit à une bourse. Mais ce monsieur a pris la voiture de sa sœur, il a bloqué l'Ilyushin 18, qui était en, le dernier Ilyushin 18 qui était en partance pour Moscou. Le raquet ne serait plus reparti. Pierre Katouré a fait revenir l'avion, demander le manifeste, le nom de l'oncle n'y était pas, mais lui a demandé pourquoi tu fais ça. Il dit, parce que je veux étudier, je n'ai pas terminé. C'est qu'elle a longtemps regardé. Il a fait réembarquer les gens. L'avion a décollé. C'est comme ça que le capitaine Aline Tchapata, il était capitaine, est revenu et allait terminer. En ce moment, M. Condé était ambassadeur de Guinée à Moscou. C'est ce que je voulais rajouter. Je vous remercie. Merci, Elas. Donc, Elas Sankarela, si, je ne sais pas si vous voyez ceux qui veulent intervenir, et surtout s'il y a Bailo de la France, si vous voyez son numéro, vous pouvez ouvrir le micro. Non, personne ne demande la parole. Donc, je pense que comme il est presque l'heure, on va essayer de conclure. Ah d'accord, donc Bachir, on va vous laisser conclure si vous avez quelque chose à ajouter. De toute façon, on va vous laisser conclure. Non, il y a le débat ne fait que commencer. Je demanderai tout juste
aux gens de faire le lien entre ce qui se passe aujourd'hui et avec ce qui s'est passé hier. C'est ce lien que nous voulons que les gens fassent pour mieux préparer les combats à venir et de ne pas emprunter les armes de l'ennemi, ne pas se soumettre au rythme de l'ennemi, mais au contraire bien penser nos stratégies, l'attendre quand il est faible, mais il ne faut pas l'attendre quand il est prêt à nous massacrer. Donc, et cela, c'est quelque chose que seule l'histoire enseigne. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans les écoles, ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans les séminaires, c'est quelque chose qui s'apprend dans la pratique politique, dans le débat, dans l'exécution de programmes, de tirer les leçons. Mais si on ne veut pas, si on veut bien penser nos luttes, si on veut bien penser nos luttes, qu'on les pense en fonction de l'histoire. La politique, c'est toute action politique digne de ce nom, c'est la rectification des erreurs du passé. Ce n'est pas des projets qui sont écrits quelque part, ce n'est pas de rattraper l'Occident, ce n'est pas de mettre quelqu'un à la présidence, ce n'est pas de changer le pouvoir entre les mains des malins cachés les peuls, c'est de résoudre les problèmes qui sont posés à un pays. C'est ça la politique. Maintenant, on s'est fourvoyé, nous, parce qu'on pense que la politique, c'est soit une carrière, c'est soit empêcher l'autre d'être au pouvoir, l'autre ethnie, l'autre ami, l'autre ennemi, etc., etc. Donc, si on échoue, si on a toujours échoué, asseyons-nous et faisons une pause pour penser notre stratégie. Et cette stratégie ne peut être autre chose que la correction des erreurs du passé. L'histoire est totalement corrective. Elle est totalement corrective. La politique est totalement corrective. Elle n'est pas projective. C'est quand on a engagé les actions de correction qu'à l'intérieur de ce projet correctif, qu'on engage des projets qui ont un sens, parce qu'ils vont dans le sens de rectifier les erreurs du passé. Mais si on ne connaît pas ce passé, on est totalement perdu, parce qu'on ne peut même pas penser que la politique peut être corrective. Donc j'invite les gens à réfléchir sur ça. Ça paraît enflé. Ce n'est pas du tout enflé, c'est quelque chose qui est très simple à appréhender, à condition qu'on ouvre son cœur, qu'on se lance dans la bagarre, non pas pour avoir quelque chose, mais pour être quelqu'un, pour être un homme digne. Parce que on nous a confié une mission à chacun d'entre nous, d'être le continuateur de ce que les autres ont fait. Nos frères, récemment, ont commis des erreurs qu'on a expliquées si longuement, de se prendre dans la frénésie de l'histoire et d'oublier qu'à l'intérieur de la société dans laquelle ils vivaient, il y avait des problèmes qu'ils étaient en charge de résoudre. Ils se sont lancés dans la frénésie contre les Français, contre l'étranger, dire que nous, on est tous des frères, ce qui est faux, on n'est pas frères, il n'y a que la justice qui peut rester entre nous. Donc on repense, qu'on prenne le temps de repenser notre histoire, parce que c'est à partir de là qu'on va avoir des actions politiques conséquentes. Et ces actions politiques conséquentes, bien pensées, avec la volonté qu'on voit le peuple de Guinée exhiber de vouloir changer ses conditions de vie, il n'y a pas de raison qu'on continue à échouer. Mais si la stratégie manque, on ne fera que des victimes. Et ça, c'est dommage. Il y a des guerres dans l'histoire, comme disait Mandela, qu'il est criminel d'éviter. Il y a des guerres qu'il est criminel d'engager. Donc, nous, si nous engageons la guerre d'aujourd'hui, c'est une guerre globale qui va dans le sens d'armer les esprits pour que ces esprits se libèrent eux-mêmes. On ne cherche pas à libérer les autres, on ne prétend pas libérer les autres. On arme les gens pour qu'ils engagent la vraie guerre, qui est la guerre de libérer la terre des ancêtres de la gangrène qui est en train de la salir depuis les années 54, soit plus de 66 ans maintenant. Je vous remercie. Wonderful, I know what I want.